Amarle Rav Papa le Rav Chama. Donc, Rav Papa il a demandé à Rav Chama. Vaday d'amritu mishve de Rava. C'est vrai ce qu'on dit en ton nom. Aïman de maske bezouze veitle ara veata balchov. Quelqu'un qui a une dette. Ok. Donc, moi, tu me dois de l'argent. Je viens chez toi et je te demande de me rembourser. Veata va miner. Rends-moi mon argent, s'il te plaît. Tu m'as pris 100 000 shekels. Rends-moi 100 000 shekels. 1 million d'euros. Rends-moi 1 million d'euros. Veamarle zil shkol me ara. Et toi, tu me dis, ah, je suis désolé, hein, j'ai pas en liquide, j'ai une terre, prends la terre. Normalement, qu'est-ce que vous dites quand il y a un dîne pareil? Je prends la terre ou je prends pas la terre? Amrinan le zil zavin at, on lui dit au type qui doit de l'argent, va toi la vendre la terre, mais a été avlé. Est-ce qu'il peut se dédouaner du paiement de sa dette par le biais de son carca? Deux secondes. Ou bien on lui dit, non, tu vas vendre la terre et tu m'amènes de l'argent liquide. Qu'est-ce qu'on lui dit normalement? Faux. On lui dit, tes nechassim, ils sont mishoubadim à la dette. J'ai pas d'argent liquide. Je vous donne, je peux même donner ma chemise. A Filousoubine, il peut payer. Alors pourquoi là, on va lui demander de payer, d'aller vendre la terre? Donc il lui demande, c'est vrai ce qu'on a dit en ton nom? Vadaï d'Amritou? Est-ce que c'est vrai ça? Amar Lélo. Il dit, faux. J'ai jamais dit un truc pareil. C'est un non-sens. Pas possible. Ça veut rien dire. Alors, comme je vous ai dit, il y a un chibou d'agouv, un chibou de nechassim quand on fait une dette. C'est-à-dire que tous mes biens, ils sont garants de ma dette. Si mes biens, ils sont garants de ma dette, je peux payer avec mes biens. Ma terre, ça fait partie de mes biens, donc je peux payer avec ma dette. C'est-à-dire que pire encore, si ma dette, je l'ai vendue, on est motim et kouchot. Et là, je peux pas te donner la terre. Bizarre. Ok, mais ça veut dire que BMET, ça s'appelle, c'est un moyen de paiement, une terre. Même ma chemise, c'est un moyen de paiement. Donc il lui dit non, c'est faux. Alors il dit, alors qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on a entendu? Imali Goufa Deouda Ikhiave. Alors dis-moi ce qui s'est passé. Comment se fait que j'ai entendu un truc pareil? Ah, Marlène, je me rappelle cette histoire. J'ai obligé un homme à aller vendre sa terre. Je me rappelle très bien. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a voulu m'embrouiller. Parce qu'il nous a dit Tole Maota Beoved Kochabi Mave. Quand on est venu lui demander l'argent, il a dit j'ai rien. Il fait ouvre le coffre-fort. Il a ouvert le coffre-fort, il y avait des billets de 500 euros empilés les uns sur les autres. Il n'avait pas 1 million d'euros, il avait 100 millions d'euros. On lui dit mais donne 1 million d'euros. Il a dit je suis désolé, c'est pas moi, c'est Ogoy. C'est pas mon argent liquide. Pas moi, j'ai rien. Tout ce que vous voyez ici, ça m'appartient pas. Ça s'appelle une évasion fiscale. J'ai rien, je suis désolé. Tout c'est pas à moi. C'est pas à moi. Prenez la terre. J'ai une petite terre agricole. Tu sais quoi? Je vous laisse le tracteur. Je suis sympa ou pas? En fait, il nous a roulé dans la farine. Quand on a appris ça, qu'est-ce qu'on lui a dit? Ah, tu as voulu nous avoir? Ben maintenant, c'est toi qui vas aller vendre la terre, tu vas nous payer avec. C'est pour ça. Ou à ça, chez l'Okéogen, lui, il a pas fait comme il fallait. Les fichards sont beaux chez l'Okéogen. C'est pour ça que nous aussi. On a fait chez l'Okéogen. Mais Icaradine, maintenant, il peut nous donner la terre. Mais étant donné qu'il a voulu nous arnaquer, alors on l'a dit, toi aussi, tu vas aller vendre la terre. Pourquoi il n'a pas payé avec les 10 millions d'euros qui étaient dans le coffre? Puisqu'ils n'étaient plus là. Voilà, tout simplement. Amara, Rav Kana, Rav Papa. L'éditra d'Amret Priat Balchov Mitzvah. D'après toi qui penses que Priat Balchov, de payer ses dettes, c'est une mitzvah. Mitzvah, c'est Minatora. Maintenant, quelqu'un, il dit, moi, je ne veux pas faire les mitzvot. Je ne mets pas les tzitzit, je ne mets pas les tefillin, je ne fais pas Shabbat. Vous n'allez pas me prendre la tête avec vos mitzvot, donc je paye pas mes dettes. Je peux faire les mitzvot. Amar loni Khalid yavid mitzvah, mai. Qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Il dit je veux pas faire les mitzvot. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Amar le tanina. Ben, c'est une braïta. Bam, il va rien mourir. Ben mitzvot lota. C'est quand est-ce qu'on donne seulement 39 coups de bâton? Quand quelqu'un il a été ouvert sur un lave, lota assez. Aval bim mitzvot assez. Quelqu'un qui ne veut pas être mekay mitzvot assez. Qu'est-ce qu'on lui fait? Kigon chamrino assez souka venos. Et on lui dit viens, rentre dans la souka, tu fais la mitzvah. Non. Lula venos. Et viens faire lula. Non, je veux pas. Qu'est-ce qu'on lui fait? Makinoto Hachetetsenafcho. On le frappe jusqu'à ce qu'il meure. Incroyable. Alors, ici, pourquoi, Bémet? Si on va le frapper jusqu'à ce qu'il meure, prends-lui ton argent de force au lieu de le frapper. Aïnachinami. C'est une grande marque au cas de la Rishonim. Il y en a qui disent oui, Vadaï. Vadaï que je vais lui prendre son argent de force. Si, il a de l'argent. Mais si, il a pas, comment on fait? Et il veut pas payer sa dette. Même si il veut pas. Il a pas, il a pas. Ben, il va travailler. D'accord, il a pas envie de travailler. Quoi? Il a pas. Va travailler. Ouais, c'est bien passé, je sais pas mon problème. Tu t'engages à la rembourser ou pas? Lui dit non, je m'engage pas, je rembourserai pas. Donc, Makino, toi, tu Omar Botsani, ou bien. Achitete Nafcho. Le rabbin Luna, il dit Badaï, qui va pas mourir. C'est Achiarchi Choto. On va être Marchi Choto. On va lui donner des coups juste pour lui casser son etc. Mais Ramosh Feinstein et le Khatam Sofer, je crois. Ils disent que non. Bémet, acheté de Sénafcho, ça veut dire que d'habitude, non, ouais, d'habitude, quand on donne malfout à un homme,
Imaginons, il est tout faible, il est tout maigrichon. Quand il reçoit Malkout, on lui donne 39 coups ou pas? Non. Ça dépend. On lui donne ce qu'il peut recevoir. Là, on lui donnera sans prendre compte de sa santé physique. C'est-à-dire que s'il en meurt, tant pis. S'il en meurt, tant pis pour lui. C'est ça qu'ils disent, Ramosh Fenchen. Ça, acheter de Sénapcho. On va pas le battre jusqu'à ce qu'il meure, mais s'il meurt, c'est pas grave. Ok. Alors, il marque le cas entre le Ktsot Achoshen et le Netivot. Est-ce que n'importe qui peut se permettre d'appliquer cette halakha? Dans la rue, tu vois quelqu'un qui veut pas mettre le Teil Katan, tu lui dis, viens mettre le Teil Katan. Non, je ne sais pas pour moi le Teil Katan. Bon, le Teil Katan, c'est pas un bon exemple parce que c'est. Tfilin. Tfilin, il dit, non, je ne mets pas les Tfilin. Alors, d'après le Ktsot Achoshen, c'est comme Ben Din Mumre qui peut lui infliger Malkout. Et d'après le Netivot, n'importe qui peut lui infliger Malkout. Maintenant, pour être mafriche, quelqu'un de faire un lave, tu vois quelqu'un, il va mordre dans un cheeseburger, tu as le droit de lui mettre. Tu le fracasses. D'après tout le monde. Ça, même le Ktsot Achoshen est d'accord que même un Yachid, il a le droit de le frapper. Tu vois, je vois quelqu'un, enfin, les chavales, je demande le. Ouais, exactement. Alors, les massés aujourd'hui, étant donné qu'on est. Étant donné qu'on est. On est au chesque que le rov des gens qui font pas les mitzvot, c'est Tinoch et Nishba, font pas parce que ils savent pas que c'est si grave que ça. Donc là, on parle d'un homme qui est conscient. Ici, il est conscient, Makinoto Hache Tetsenapcho, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse plier son Yetzerara par la force. Baimine, Rami Bachama, Mirav Frisda. Rami Bachama demanda à Rav Frisda, arrêtez Guiter, Velotil Garshibo, et là, les Achar Shloshimium. Vous vous rappelez de l'histoire où j'ai fait la Mishicha, de la Para, et la Para, au bout de 30 jours, elle était à moi? On a vu que ça marchait, même si la parole est béagam. Madine, quand c'est un guet, j'ai donné le guet, je lui dis voilà, ça c'est ton guet, mais sache que tu seras mégourechette que dans 30 jours. Or, pour être mégourechette, il faut qu'elle soit connue le guet. Mais aujourd'hui, elle n'a pas été connue puisqu'elle est pas mégourechette. Quand est-ce qu'elle aura le kinyan? Dans 30 jours. Mais dans 30 jours, le guet il est où? Il n'est pas là. Ve'alcha v'nichato b'tziderishtarabim. Elle a mis le guet sur le trottoir. Tziderishtarabim. Tziderishtarabim, c'est reshutarabim ou pas? Si tziderishtarabim, c'est reshutarabim. Elle est mégourechette? Non. Par contre, si tziderishtarabim, c'est carminite, c'est un comme parvé. Alors peut-être que là où elle sera mégourechette. Ouais, c'est la question de la Gemara. Non. Tzidere et Shudarabim, c'est le chétard, tu as raison. C'est-à-dire que pour éviter que les comment ça s'appelle, les charrettes, elles frôlent les murs, elles abîment le mur de ma maison, qu'est-ce qu'ils mettaient? Ils mettaient des petits, comme tu dis, des petites poutres qui sortaient du mur, ou alors des petits plots pour faire un genre de trottoir. Tu as compris? Maintenant, toute la partie qui est à l'intérieur de ce chétard-là s'appelle Sidérishtorabim. Il y a des gens qui peuvent marcher là-bas. D'accord? Ou alors, il y en a qui disent que c'était même pour protéger des gens. Pour pas que les gens ils se frottent au mur. En tout cas, elle a mis son chétard là-bas. Mao, elle est mégourechette ou pas? Amarle est na mégourechette. Non, ça marche pas. Pourquoi elle est pas mégourechette? Parce que de Rav Shmuel, on voit que Sidérishtorabim, c'est comme Rishtorabim. Mais de Rav Shmuel, de Amré Tarvayou, Veu Shetzvourin, Munachim Rishtorabim. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Que le Baal Chov, il peut être tofes des perrottes du type qui vient de mourir quand il devait de l'argent, que si les perrottes, elles sont où? Non, si elles sont chez lui, les Yorchim, ils ont été connus. Que si les perrottes, elles sont dans le Shutarabim. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Shutarabim, c'est un kinyan, c'est un endroit où on peut faire le kinyan. Donc, si le Shutar, il est le Get, il est Mounar, mais Shutarabim, elle n'est pas Mégourechette, mais Tzidere Shutarabim, qui est Shutarabim d'Amou. Et Tzidere Shutarabim, c'est comme Shutarabim. Donc, en deux mots, elle n'est pas Mégourechette. La Gnadi Adraba, Four, Mégourechette, mais de Rav Nachman. Je vais t'amener une preuve de Rav Nachman, qu'elle est oui Mégourechette. De quoi? De la para. Rien la para, où est-ce qu'il faut qu'elle soit pour que je sois connu au bout de 30 jours? Même si elle est Béagam, ça marche. Or, Agam, c'est comme Shutarabim. D'Amar Nachman, Amar Abba Baravoua, à Omer le Chaverum, Shor Parazo, Loti et Knouya le Chahad Shloshimium. Mais cette para ne t'appartiendra que dans 30 jours. Kana, va filo menet bagam. Et même si la para, elle est où? Bagam, c'est un terrain vague. Maïla va inou agam, va inou tzidé reshutarabim. N'est-ce pas que finalement, ce agam, c'est un makom parvé? C'est pas un vrai reshutarabim, parce qu'il y a personne qui va dans un terrain vague. Mais c'est pas un reshutarachi non plus. C'est un milieu, c'est au milieu. Comme tzidé reshutarabim. Agam dit agam est chou, tzidé reshutarabim est chou. Non, tu n'as pas de preuve. Il y a que l'autre que agam, c'est agam. Il n'y a pas de passage, c'est pas reshutarabim. Et tzidé reshutarabim, c'est comme un reshutarabim. Et donc, les maasés, dans le guet, elle ne sera pas mégourechette. Dans la para, ou si le guet, il avait été dans un agam, ok, il y a que l'autre qu'elle aurait été mégourechette, parce que ça marche, le kinyan dans un agam. Mais si de reshutarabim, ça ne marche pas. Ça, c'est d'après le premier cadamré. Il y a un deuxième cadamré qui dit, pas comme ça. Il cadamré, la marlé, mégourechette. D'après celui de deuxième cadamré, bémet, elle est mégourechette, comme ça, on est posé que la halakha. Mais de Rav Nachman, d'où est-ce qu'on prouve qu'elle est mégourechette? Exactement de ce din-là qu'on vient de voir avec le agam.
Midera Nachman, comme quoi, Tzidé Reshuta Rabim, qui a Agam Damé. Que le Tzidé Reshuta Rabim, c'est comme le Agam. Or, quand la parole est dans le Agam, j'ai été conné. Donc, quand le Get il est dans le Tzidé Reshuta Rabim, il est à moi. Et donc, elle m'égouchait. Elle m'a dit à Draba, il n'a m'égouchait. De qui? Ben, de Rabou Shmuel. Alors, si Rabou Shmuel dit que ma Tfissa, elle ne marche que dans un Reshuta Rabim, machma que Tzidé Reshuta Rabim aussi, c'est pareil, Mistama. Mais de Rabou Shmuel, maïla, maïnou Reshuta Rabim, maïnou Tzidé Reshuta Rabim. Elle m'a dit, lo, Reshuta Rabim l'échoud, ve Tzidé Reshuta Rabim l'échoud. Behemet, j'aurais pu croire que de Rabou Shmuel, j'ai une preuve que Tzidé Reshuta Rabim, c'est comme Reshuta Rabim. Tu sais pourquoi? Parce que Shmuel, Rabou Shmuel, ils m'ont dit, attention, pour qu'ils soient tout fait les perrottes et que ça marche, il faut que ça soit dans le Reshuta Rabim. Aval, qu'est-ce qu'ils ont dit, Rabou Shmuel? Si c'est bas Simta, ça marche pas. Machma que la Simta, c'est un endroit où on peut faire un kinyan, comme un agam. Mais si Behemet, Tzidé Reshuta Rabim, c'était comme la Simta, il fallait que tu me dises Aval, va Tzidé Reshuta Rabim, l'eau. Or, tu m'as dit Simta, machma que Tzidé Reshuta Rabim, c'est comme Reshuta Rabim. Machma a dit non, tu n'as pas de preuve. Léolam, Tzidé Reshuta Rabim, l'échoud, le Reshuta Rabim, l'échoud. Dans le Reshuta Rabim, il peut être aux fesses. Si le guet est dans le Reshuta Rabim, alors. Alors, c'est l'opomé. Elle n'est pas migourechette, alors que si le guet est dans le Reshuta Rabim, ça marche comme dans le Hagam. Très bien. Mishnah. Alors là, accrochez-vous bien, cette Mishnah, elle est révolutionnaire. Un monsieur se marie, il a un magasin. Et il dit à sa femme, bon, tu sais quoi, ben maintenant que tu es ma femme, tu me sers à quelque chose, tu vas tenir le magasin. Amoshiv et ishto chanvanit. Il a mis sa femme à la caisse. Il a dit, c'est toi. Mais non, sa femme, peut-être qu'elle a... Elle a pris un peu dans la caisse. Il vend des bonbons, peut-être que... Hop, des fois, elle prend des bonbons. Il peut la faire jurer ou pas? Bien non, oui. C'est sa femme. Ah, Moshe et Tishto Khanvanit, Oshemina Apotropia. Alors, carrément, il a mis à la tête des affaires. Le type, il a une multinationale, il dit c'est toi qui vas gérer les affaires. PDG. Arezé Mashivia Kolzman Tchiritse. Tous les soirs, quand il rentre, s'il veut, il peut la faire jouer. Comme tout digne de Harris ou de Ouman, quand j'ai un terrain, je mets quelqu'un pour travailler dans mon terrain, je peux le faire jurer qu'il n'a pas pioché dans la caisse. Pareil pour la femme. Et Rabbi Lézer, il va encore plus loin. Rabbi Zeromer, à Filoual Pilcha Valisata. Pilcha, c'est la masse de fil qu'elle doit tisser tous les jours. On a vu dans la Mishnah. Même sur ça, il peut la faire jouer. C'est sûr qu'il n'y a pas mis un peu de côté pour toi, pour ton argent de poche. Il coule, pas direct. Si. Oh ah, il vient de se réveiller. On va voir. En tout cas, d'après Rabbi Lézer, il peut la faire jouer même sur la Issa. Elle a pétri 3 kilos de pain. Tu rentres, tu dis, ah, tu as fait du pain? Combien il y a 3 kilos? Tu n'as pas fait hein, 4 kilos que tu as mis à droite. Oui, tu as fait ou pas? Mais non, tu ne fais pas confiance. Non, je ne fais pas confiance, d'ailleurs tu vas jurer. D'après Rabbi Lézer, il a fait jurer. Il a fait jurer même sur le fil, même sur la khala. Incroyable. Il a fait jurer. Ah non, mais il a un droit, le Bedin peut l'obliger à jurer. Elle est obligée de jurer. Mitor chez nous, Rabbi Lézer. Va Michalem, normalement c'est comme ça que ça se passe. Tu ne veux pas jurer, tu payes. Si tu ne veux pas jurer, ça veut dire que tu as quelque chose à te reprocher. Avec quel argent? Je sais pas, moi, elle se débrouille. Et bah, elle est où? La Gemara, elle pose la question de Mani. Rabbi Lézer, elle est des Gilboul Kamar ou les Khatrila Kamar? Quand Rabbi Lézer, il dit qu'il a fait jurer sur la pâte, c'est comme tu jures au magasin, tu jures aussi sur la pâte, Gilboul, ou bien non? Stam sur la pâte, la femme, elle est pas au magasin. Tashma, on va voir. Amroulo, Khachami, ils ont dit à Rabbi Lézer, tu exagères quand même, la pâte, la faire jurer sur les Khalot. Alors, ils ont dit Amroulo, les Rabbi Lézer, un Adam Darim, Nachash Bikfifa, elle peut pas habiter avec un Nachash. Il la surveille comme un serpent, c'est pas possible. Elle va pas supporter. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici un problème de Shalom Bayit. Enfin, on entend le mot Shalom Bayit, après tout ce qu'on a vu de les chiouvim de la femme. Enfin, Chacham, ils disent, ça y est, stop, Atkan, tu y allais trop loin. Faut pas exagérer. La faire jurer sur les courses qu'elle a fait au supermarché, ouais, faut pas exagérer. Là, tu as poussé trop loin. Donc ça, c'est la Tana de qui? Chacham, sur Rabbi Lézer. La Gemara dit, si tu me dis que la Tana de Rabbi Lézer, c'est qui peut la faire jurer les Khatrila sur la pâte, alors Bémet, ils lui ont dit, là, tu exagères. Là, tu es allé trop loin. Là, elle va pas supporter le choc. Et là, Yamret, elle est déguilgoule, mais si tu penses que Bémet, comme je te fais jurer sur le magasin, jure aussi sur la pâte. Maïr Patla, de toute façon, elle va jurer sur le magasin. Alors, Khamim, ils sont d'accord qu'il a fait jurer sur le magasin, comme un simple employé. Donc, si tu jures sur un, jure sur l'autre. Maïnaf Kalamina, qu'est-ce que ça lui change, elle, de jurer sur une deuxième fois? Confiance. Amralé, qui va des Kadayak Tabatraï, tu es tellement médaillac avec moi, tu es sur ma tête. Kouléa est tellement le matina d'Adobader, je peux pas vivre avec toi. Ça, c'est un sujet de divorce. Je peux pas. Laisse-moi vivre. Je peux pas. Ça,
il y a des limites. Il y a des limites, il ne faut pas dépasser. Bon, c'est vrai que là, les limites, Chachamim, ils ont mis assez loin. C'est pas qu'il regarde combien elle a dépensé, non. Il va, il a fait jurer. Mais non, là, tu exagères. L'affaire jurée, tu exagères. Tashma. Arrête chez le patar et tishto. Donc, on n'a pas de preuves. On ne sait toujours pas si c'est allé des Gilgoul ou pas que Rabbi Lazer a dit qu'il a fait jurer ou pas. Tashma. Arrête chez le patar et tishto, mina neder ou mina shua. On va voir dans la prochaine Mishnah qu'un homme, il a la possibilité d'être poter sa femme de choua. C'est-à-dire qu'au moment du mariage, première guicha, elle dit alors on va mettre les points sur l'i, avec moi, il n'y aura pas le choix. Ah, ni sur la pilcha, ni sur le pain, ni sur Wello. Tu ne me fais pas jurer à moi, tu as compris? C'est soit tu as confiance en moi, soit tu n'as pas confiance. Tu me dis les choses claires. Si tu n'as pas confiance, on s'arrête là, c'est même pas la peine qu'on continue. Et il a signé. Donc s'il a signé qu'il ne l'a fait pas jurer, Mahadine, il ne l'a fait pas jurer. Maintenant. Tu peux tout faire, ça. Hein? Tu peux faire tout ce qu'elle veut, la femme, comme contrat au début? Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a le droit de prendre la caisse. Non, mais ça veut dire. Ça, c'est une choua, mais icaradine. C'est-à-dire que n'importe quel employé, y compris ta femme, tu peux la faire jurer quand elle travaille pour toi. On va aller chez ta trachamine. Si elle a dit je ne veux pas jurer, elle ne jure pas. Elle a le droit. Comme un employé. J'engage un employé. L'employé, je lui dis bon, je vais te mettre à la caisse. Il dit ok, mais moi, tu ne me fais pas jurer. Ben, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. C'est les clauses du contrat. Mais non, il n'a pas écrit ça. Tashma, on y va. Areshelo pataretishto minaneder minashua. Il n'a pas écrit un truc pareil. Il n'a pas été au poter minaneder minashua. C'est quoi minaneder? C'est qu'un homme, il peut obliger sa femme à faire un neder. Il lui dit, tu sais quoi, jure que tu n'as pas pris dans la caisse. Elle dit, non, je ne jure pas. Je dis, alors que tu fais un neder. Tu fais un neder que si bémet tu as pris dans la caisse, tu es moudarana, tu ne peux plus boire de Coca-Cola. Il peut l'obliger à faire ce neder. Non, il n'a pas écrit qu'il était poterota. Veoshiva khanvanit, il a mis au magasin, oshemina potopia, ou alors il a mis à la tête de ses affaires, Arezé, Mashvia, Kolzman, Chirtsi. Il a fait jurer quand il veut. Étant donné qu'elle n'a pas de shtar qui la dédouane de cette choix. Lo Shiva Khanvanit Velomina Potropia. Par contre, quand elle n'est pas responsable de ses affaires, ni au magasin, ni ailleurs, et Noya Khol et Hashvia, là, il ne peut pas la faire jurer. Ça, c'est Da'at Rachamim. Rabbi Lezer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ouais, pas besoin qu'elle soit au magasin. Rabbi Zeromer, Falpi, Shelo Shiva Khanvanit Velomina Potropia. Arezé, Mashvia, Kolzman, Chirtsi. Il rentre le soir à la maison, il a fait jurer. Combien tu as dépensé aujourd'hui? Aucune femme, elle n'est pas responsable du budget de la maison. Donc si c'est elle qui est responsable du budget de la maison, il peut la faire jurer. Ça s'appelle qu'elle a une responsabilité dans ses affaires. Donc elle est apotropos du budget de la maison et donc il peut la faire jurer. Alpilcha ve alisata sur la pâte qu'elle a pétrie. Donc est-ce qu'on voit que Rabbi Lezer, ça a des gilgoul ou sans gilgoul? Sans gilgoul. Amroulo, en adam darim nachash bekfifa. Sur ça, Khamim, on dit là, tu as poussé trop loin. Elle ne pourra pas supporter de vivre avec un homme pareil. Shmamina, les Khatrila, Shmamina, donc on voit que Bémet, même les Khatrila d'après Rabbi Lezer, il peut la faire jurer. Mais bon, rassurez-vous, on n'est pas posé comme ça, donc pas de catastrophe ce soir. Mishnah, Katavla, Neder, Ushua, Nealaïr. Allez, donc cette Mishnah qu'on vient de voir, il a écrit, je n'ai ni Neder, ni Shua sur toi. Il a écrit. En Yachol, Yashbia, évidemment, il ne peut pas la faire jurer. Aval, Mashbia, ou Etiorchia, une fois qu'elle est morte. Les Yorshim, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent dire, ils disent, hé, la ktouba de ma mère. Il dit, ah, ta mère, j'avais dit qu'elle ne jure pas. Mais vous jurez. Jurez de quoi? Oh, vous jurez de quoi? Vet abayim birshuta, ou bien quand elle avait donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors, jurez de quoi? Mon cher Ishaï. Sur ça, il y a une marque locale entre Rashi et Tosso. D'après Rashi, ici, on parle de la ktouba. Donc, jurez que ta mère, elle ne t'a pas donné la ktouba. Qu'elle n'a pas touché la ktouba. Jurez que Bémet, votre mère sur le lit de mort, elle n'a pas dit qu'elle a déjà touché la ktouba. Jurez. Vetabim Birchuta, quand elle avait vendu sa ktouba. Ça, c'est Shitat Rashi. D'après Tosso, tu dis, mais pas du tout. Toute la Mishnah ici, cette Mishnah et celle qu'on vient de faire avant, c'est toute la même Mishnah. On parle à chaque fois d'une femme qui travaillait pour son mari. Et donc, quand une femme a travaillé pour son mari, elle avait le droit aussi de faire entrer des employés. Imaginons, je l'ai mise au magasin, c'est elle qui gère le magasin. Elle a le droit c'est elle qui va amener le comptable. Il y a besoin de faire le ménage, elle va amener une femme de ménage. Maintenant, quand elle est morte, le comptable, il vient taper à la porte du mari, il dit, hey, je pourrais avoir mon salaire, s'il vous plaît? Alors le mari dit, à ma femme, j'avais dit de ne pas jurer, mais à toi, je ne suis pas engagé. Donc toi, tu vas devoir jurer. Ok. Nada, neder ushua en li alaïr ve al yorshaïr ve al abayim birshuter. Maintenant, dans le shtar, il a écrit, ni sur toi, ni sur tes yorshim, ni tous ceux qui viennent birshuter, par ton biais, en deux mots, tous ceux qui vont venir réclamer leur dû du mari, ils sont pturim de choix. Et nous y a cholashbi aloi velo yorshia velo et abayim birshuta aval
Par contre, si le monsieur vient à mourir, là, qui est-ce qui hérite des affaires? C'est Yorshim à lui. Les Yorshim, eux, ils disent à la femme, chère belle-mère, parce que c'était la femme de leur père, chère belle-mère, mon père s'était engagé envers toi de ne pas te faire jurer, mais nous, non. Donc maintenant, tu jures. Aval Yorshav, Majbin, Otav, et Yorshav, et Tabayim, Birshuta. Maintenant, quand il a écrit, ni sur tes Yorshim, et ni mes enfants ne pourront te rendre à Yashua, alors là, il n'y a plus personne qui jure. Neder, Ushwaeni, Lole Yorshav, et Lole Baim, Birshutiv, Alayir, Velo, Veal Yorshayir, Veal Abayim, Birshuter, et Noyachol, et Ashbia, Lohu, Velo Yorshav, Velo Abayim, Birshuto. Personne ne peut faire jurer cette femme. Velo Ota, Velo Yorshia, Velo Abayim, Birshuta. Ni c'est Yorshim à elle, ni elle, ni c'est ceux qui viennent. Il n'y a pas de trilouche, exactement. Alcha Mikever, on verra l'argument. Alcha Mikever Bala, les bêtes Abia. Maintenant, il est mort. Combien de le voir. Elle sort du cimetière, elle rentre chez son père. Oh, chez Khazra, les bêtes Ramia. Ou bien, elle est retournée chez son mari, son beau-père. En deux mots, elle a abandonné les affaires de son mari. Elle ne travaille plus au magasin, c'est plus elle qui gère le business. Il n'y a plus rien. Velona Asit Apotropia. Elle n'est pas apotropose maintenant de ses. Des héritiers des affaires. En Yorshin, Majbin, Ota. Les Yorshin ne peuvent pas la faire jurer. On verra sur quoi. La Gemara va expliquer. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent, la faire jurer sur les Otsot de la Kvoura. Alors elle a dépensé de l'argent pour enterrer le père. Avec quel argent elle a payé? La Chevra Kadisha. Avec l'argent du père, de son mari. Peut-être qu'elle a dépensé trop. Elle a vu les choses en grand. Sur ça, elle va devoir jurer. Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. On verra. Vilna Asit Apotropia. Par contre, si elle est devenue apotropos, à Yorshim Majbinota, à Tid Lavo, les Yorshim pourront la faire jurer sur les affaires à venir, mais pas sur ce qui s'est passé. Pourquoi? Et sur ce qui s'est passé, c'était avec le père. Avec le père, elle avait un accord qu'elle ne devait pas jurer. Velo, Ven Majbinota, Alma Shavar, par contre, ils ne la feront pas jurer sur ce qui a été passé. Zéro. Alors, on verra demain la suite.